Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e épisode de notre voyage aux États-Unis pour la BlizzCon. Salut Énigmatique, comment vas-tu? Ça va et toi mamie? Bah écoute, ça va très très bien, merci. À la base, on voulait pas faire de vidéo pour cet épisode, on voulait juste faire une petite séquence musicale, mais il nous est arrivé un truc de fou hier soir, un truc tellement incroyable que je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on vous en parle, parce que franchement, je pense que c'est la coïncidence la plus folle qui m'est arrivée dans toute ma vie. Alors, pour raconter le truc, hier soir, on se baladait au Bellagio, puisque oui, si vous ne l'avez pas remarqué, on est à Las Vegas. Quelques jours de détente. On se baladait donc dans le Bellagio, c'est un petit casino, le casino d'ailleurs qui se fait braquer dans Ocean Eleven. Et on se baladait là-bas, je filmais quelque peu le décor à l'intérieur. Quand je me lève, quelqu'un s'arrête brusquement devant moi et me dit en français: putain, qu'est-ce que tu fous là? Je le regarde, il me regarde, je regarde, il me regarde, je regarde, il me regarde. Et c'est là que je me rends compte que la personne qui vient de m'interpeller, c'est le joueur du grenier. Alors on est venu jusqu'ici, à Las Vegas, 10 000 km de la France, pour rencontrer dans un putain de casino le joueur du grenier. Mais il était pas seul, le joueur du grenier. Il était avec monsieur Antoine Daniel, vous savez, ce fameux youtubeur français qui fait les what the cut. Et ben voilà, on les a croisés dans un casino ici à Las Vegas et on a pu papoter. Voilà, vraiment le truc de fou. Donc voilà, on voulait juste raconter cette petite anecdote. Nous, en attendant, maintenant, on est samedi matin, il est... dimanche matin. Il est 10h, on va aller un peu flâner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Vegas avant d'en arriver mardi à la visite des locaux de Blizzard. Allez, une bonne journée à tous et à tous. Et nous, on va aller se balader.